Il a débarqué chez moi dans les années 1980, je l'ai hébergé trois mois. Il a rencontré une jeune fille quoi. et puis euh, il s'est mis en couple et bon et puis après bon, bah, il s'est séparé d'elle et puis euh, voilà il a fait une dépression et puis depuis ce jour là bah, après il a il a toujours vécu dehors euh, dans les bois, squatté, sous les arcades comme il a fait pendant plus de 15 ans quoi. C'est bien étonnant qu'il soit pas mort euh, avant parce que vivre été comme hiver euh, sous des arcades comme ça ou euh, froid. Vous le croisiez de temps en temps. Ouais alors il me reconnaissait toujours, hein, même euh, au bout de 40 ans, il me reconnaissait, il me parlait pas mais il me faisait un signe de main bonjour et puis euh, salut Jean-Marc et puis, euh, puis voilà quoi. Euh, J'ai parlé euh, cinq minutes et puis je, il faisait sa vie quoi. Il voulait pas d'aide non mais enfin il acceptait une petite pièce quoi et puis voilà c'est tout. Mais euh, très très mal habillé, très sale, une barbe, euh, voilà. Ça faisait pitié quoi de le voir.